salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de notre aventure sur Métro 2033 à Redux. Et notre ami Khan nous a laissé et nous nous retrouvons tout seuls dans les métros. Et on va essayer de sortir tout simplement. On va continuer les amis, on n'a pas une petite lumière là. Ah, je préfère. Bon, les amis, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors. En tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup l'univers. Qui va là ? Bouge pas ! Tu calmes, c'est un humain. Dépêche-toi d'éteindre ta lumière. Ah. Bon, tu sembles humain. C'est tout ce qui compte. Passe, c'est une station libre. Oh là, ça me paraît un petit peu curieux. Donc mais il faut un peu des frontières, un peu des péages hein. Ils ont besoin un peu de... Bonjour. Eh, vous êtes... ça va? Ça va les Rey? Salut beau gosse, je peux vous piquer des trucs? Non, y'a rien à piquer. Salut BG. Attention petit, notre station libre est sous la surveillance étroite des rouges. Ah. La paranoïa est le nouveau jeu à la mode en ville. Alors fais profil bas, tu m'as compris? D'accord, j'adore cette sincérité. Alors eux, on peut compter sur eux, je vous le dis direct. C'est juste un conseil d'amis. Ouais. Je pense qu'on peut leur faire confiance à eux. Du coup, c'est-à-dire que si je monte là, vous allez me trouver suspect, hein. Voilà, donc je ne vais pas le faire. Et bah let's go. Donc c'est une station libre, mais surveillée par des rouges. On les appelle les rouges. Votre attention, votre attention. Une vérification des papiers d'identité est en cours à la station Arsenal. Veuillez rester dans vos lieux de résidence déclarés et assister les agents de maintien de l'ordre dans leurs tâches. Soyez vigilants, camarades. L'ennemi ne dort jamais. Forcément, tout le monde se méfie de tout le monde. En même temps, faut se faire confiance. C'est... Et franchement, j'adore. Vous savez, quand il y a une épidémie mondiale, les gens vont se précipiter et se voler le papier toilette au magasin. Donc à un moment donné, on pousse les mamies. Donc forcément, on se méfie de tout le monde dans ce genre de situation. Hein. Bonjour, monsieur. Eh, mais c'est Vladimir Poutine. Contre le mur, ceci est une inspection. Allez, soyez sympa. C'est pas mon truc. Qui parle pas à moi? Arrête. Tire-toi, mec. Prépare-toi pour l'inspection. D'accord. Bah, je suis toujours prêt. Bon, je récupère des munes, hein, ça dérange personne. Vérifiez ma prostate quand vous y êtes. Je pisse bizarrement, c'est phosphorescent. Sûrement les radiations ne sont pas loin. Reste pas planté là, va-t'en. D'accord. Putain. Alors, tu frappes ce qui t'attire le plus. Et toi, t'es qui? Le petit copain du comique? Les mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. Bah. Très bien, très bien. Laisse tomber. Je vous suis sans faire d'histoire. Ah. On bouge plus. Attends, je cours. Je vais le tuer. Allez, attrapez-les. Allez, suis-moi. Attention, crétin. Allez, je te suis, je sais pas quitter. Oh non, il tue des innocents par contre. Ah, ils sont pas malins. Allez. J'arrive pas à courir. J'adore. Il est passé où? Là. Bouge plus, bâtard. Ah ouais. S'il existait encore un dieu dans ce monde, ce jour-là, il était avec moi. J'avais été sauvé par l'ami de Khan, Andrei le forgeron. Il allait être mon ticket de sortie de la station communiste. Merci, frère. Mais le seul moyen, c'est de traverser un champ de bataille. La ligne de front entre le Reich et les Rouges.
Attendez, c'est la peur qui pousse nombre d'habitants du métro à détester les rouges. Bien qu'ils soient censés travailler à l'avènement d'un avenir radieux, leur vie quotidienne ne fait que se dégrader au fil des ans et leur labeur incessant ne leur épargne même pas la faim. Ils se battent pourtant sans craindre la mort et leur commandant les sacrifie aveuglément, les lançant parfois à l'assaut de nids de mitrailleuses pour noyer l'ennemi sous leur nombre. Comme si c'était immortel, mais ils sont bel et bien mortels. L'épuisement, le surmenage et les balles les déciment et leurs propres commissaires ont pour ordre d'abattre ceux qui ont la détermination vacille. On leur enseigne qu'ils sont supérieurs, qui sont d'une autre trempe que les autres. Et c'est pour cela que j'ai pitié d'eux. Pour quel idéal vivent-ils et meurent-ils? Ils semblent ignorer que les idoles du passé ont disparu depuis longtemps. Les slogans qu'ils scandent n'ont plus de sens dans notre nouveau monde. Il est interdit de parler ou même de penser librement. Quiconque pose des questions est accusé de trahison. Quiconque affirme qu'il existe une vie meilleure hors de la ligne rouge est un espion, est un saboteur. Il faut cacher tout ce qu'il y a d'humain en soi pour se fondre dans la moule. Mais on rencontre aussi parmi eux des individus comme André le Forgeron, donc le monsieur devant nous, des hommes qui refusent de perdre espoir et qui persévèrent face à l'adversité. À sa place, je serais parti depuis longtemps. Pourquoi reste-t-il? A-t-il peur d'être abattu en tentant de s'enfuir? Bienvenue en Corée du Nord. T'auras besoin d'un déguisement. Prends ces bleus de travail et mets-les par-dessus tes vêtements. C'est la Corée du Nord. Je rassemble des volontaires pour attaquer les fortifications des fachos. Ils sont sur le point d'envoyer un train plein de nouvelles recrues au combat. Tu monteras à bord sans qu'ils le sachent. Ce sera pas un voyage en première classe, mais tu paieras pas au prix de ton sang non plus. Bon. On va se camoufler en gros. Que le train aura passé le barrage, tu devras te débrouiller tout seul. Merci beaucoup le forgeron. Putain, il m'a sauvé la vie quoi. Mais ils ont oublié qu'ils étaient en train d'essayer de me tuer les autres par contre. Ça c'est un peu con. Oh, merde. Alors lui il est ivre mort. Oh lui il est ivre mort. Attendez, il n'y a pas des trucs à récupérer des fois? Non. Ok. Bah c'est génial. Donc là en fait je suis déguisé, apparemment j'ai une tenue sur moi. Enfin je suis déguisé, vous m'avez compris. Monsieur fait peur. Eh bah let's go hein. Ah il m'attend depuis tout à l'heure. Excuse-moi mon ami. Je suis avec toi. Voilà. Est-ce que vous croyez que je peux éteindre cette lumière? Non, c'est dommage. Oui des fois je cherche à faire des conneries pour faire profil haut. Et non pas profil bas. Allez! Et une! Et deux! Je vais aller savoir. Attends, comment il fait lui? Ouf! C'est bien, il a mis ses mains correctement lui au moins. Salut les rouges. En fait c'est des... Oui bah oui c'est... Après on est en Russie hein. Au fait. Communisme, tout ça, tout ça. Améliore tes armes tant que tu le peux. Mais perds pas de temps. Ce train partira à l'heure et il t'attendra pas. D'accord. Eh bah let's go. On va en profiter. J'ai de la thune au moins ou pas? Pas tant que ça. C'est cette arme qui est énorme. D'accord. Je vais pas l'échanger. Cette arme elle est énorme. Et je peux éventuellement viseur laser ou alors optique. Non, je veux pas de... Franchement, je veux la laisser Vania, je vais pas perdre de l'argent pour ça. Moi, ce que je veux... Mais tais-toi. Moi, je veux des munitions. Est-ce que c'est possible ou pas? Non. Bah, je vais garder mes munitions, alors. Comme tu veux. Là, tu proposes quoi? Pack, filtre, couteau, tout ce dont vous avez besoin pour voyager en zone dangereuse. C'est bon, j'ai pas besoin. Comme tu voudras. Oh. Mais moi, je voulais des munitions, en fait. Fais plus d'économies. Ouais ouais. Ouais ta gueule. Bon allez tant pis. Du coup Salut. Ça va les gars, il est avec nous. Ouais je suis avec vous. Dans ce trou, Artyom. Il faut que je saute dedans. Hop là. Une note. J'ai gravement sous-estimé Andrei. Il n'a pas peur de quitter cet endroit. Donc c'est le mec qui nous aide actuellement. Il a même de sacrées tripes vu les risques qu'il prend pour aider ceux qui souhaitent fuir la ligne rouge. Lui et ses amis ont aidé au péril de leur vie de nombreux réfugiés à emprunter un réseau de passages abandonnés et de tunnels oubliés dont les rouges ignorent l'existence. Ah, ils sont vraiment cons alors. Comme les esclaves du passé, les fuyards utilisent ce réseau clandestin pour gagner la liberté qu'offre le reste du métro. Mais en ce qui me concerne, Andrei a fait exactement l'inverse car je dois rejoindre la ligne de front qui la sépare... la ligne rouge du Reich dans la guerre interminable que se livrent ces deux factions. J'ai réussi à trouver une place à bord de la rame qui achemine la chair à canon jusqu'à la grande boucherie. L'essentiel est de descendre à temps. Attendez, c'est marrant parce qu'on dirait que ça se passe dans un futur qui aurait mal tourné durant la seconde guerre mondiale. C'est bizarre ou quoi? Un peu, ouais. J'ai sauté dans le trou du coup. Et je fais comment pour en ressortir? Ah bah là. Ça marche pas gros. Comment je ressors gros? Bon bah... Je crois que je dois me faire enfermer, c'est normal.
Pentium. T'as vu le compartiment à bagages? Glisse-toi dedans. Ah, en fait, je me cache! Ah ouais, en fait, il a montré aux deux autres que je me cache. En fait, je suis pas discret. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va, hein? Ah, en fait, ils s'en foutent. C'est des complices. Eux, là, en tout cas, c'est des complices. Ok, d'accord. Ah, je comprends mieux maintenant. J'adore. Il y a des petites coalitions qui se font et tout. Ils ont pas peur, hein. Ils me connaissent même pas. André, ils risquent rien là-dedans. T'as vu? Je voudrais pas qu'ils tombent sur les rails. Ouais, c'est des complices. Bon, pas du transport de luxe, mais... De toute façon, s'il reste, il est mort. C'est gentil. Oui, ce sera un aller simple à nous mettre en cas s'il se fait prendre. Ah. Pas très drôle, ça. Je sais pas ce que c'est l'Ubianganka, mais ça a pas l'air très fun. Ok, prends ça. Tout va bien. À toi de jouer. Bonne chance. Merci beaucoup, mec. Je t'oublierai pas non plus. Bonjour, Sergei Sergeyevitch. Voici un petit gars du coin. Donc là, vous êtes en train de me dire que personne me voit. Genre là, y'a personne qui me voit. Ils me font peur, les cagoulés. Hein. Tous ces gars avec les cagoules, ils me font peur. C'est trop bien, en tout cas, en vol. Bah, tu m'as compris. Allez, sur les rails. Et on s'arrache. Et on a fini le jeu. Pas du tout. Ouf. Je me suis cogné le menton. Faudrait pas que quelqu'un s'assoie sur moi et pète, hein, parce que je risque de tousser. Allez, allez, on se motive là. En tout cas, on est bien en vrai, on est bien installé. Hein. Franchement, il dit que c'est pas du luxe. Ouais, je pourrais faire un petit somme. Tu t'es engagé dans l'armée. Je suis mes convictions politiques. Moi, je suis là parce que je veux pas crever de faim. Et toi? Moi? Vous connaissez la chanson? Mon père faisait partie de l'armée rouge et son père aussi. C'est une tradition dans la famille. Alors dis-moi, Nef, perdre arme et bras au combat, c'est aussi une autre de tes traditions? Ils étaient heureux de faire ces sacrifices. Bien sûr. Les ivrognes et les fous sont heureux aussi. Et il y a une pilule noire dans mon sac de munitions. Qu'est-ce que c'est? Un antibiotique? Non, ah, c'est pas toujours automatique. Au cas où tu te fasses coincer par l'ennemi. Quoi? Mais... Le suicide est un péché. J'irai tout droit en enfer. Écoute-moi, l'enfant de cœur. Un prisonnier des fachos va en enfer dans tous les cas. Crois-moi, la pilule ne fait qu'accélérer les choses. Excellent. Je pourrais jamais m'ôter la vie. Alors donne-moi ta pilule. Je préfère en avaler deux que de pourrir dans un de leurs stalags. Bon là, le mec qui parle, il est sympa. Lui, il aime pas trop ce qu'il fait. Et il est pas motivé par ce qui se passe, donc c'est cool. Même chapitre 4. A réussi à nous empêcher de nous entretuer au nom d'une idéologie. J'étais sur le point d'arriver sur le front qui opposait les fachos et les communistes. On disait qu'ils s'étaient déjà fait la guerre autrefois et que les fachos avaient perdu. Ah bah, ça répond à ma question. Donc ouais, la Seconde Guerre mondiale, tout est normal, hein, ça s'est passé comme dans la vraie vie. Et il y a de nouveau eu, entre-temps, une nouvelle guerre. C'est génial. C'est génial. Ah bah oui. Ah oui, mais oui, les gars, l'histoire, en fait, là, parce qu'il y a eu une bombe qui a explosé et c'est pour ça que ça a semé le chaos. Une bombe atomique. Ils sont bourrés ou quoi? Oh non! 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 Ah, ça va. Ah, c'est moi qui me suis jeté. Je vous félicite d'être arrivé sur le front. Je suis sûr que vous honorerez notre patrie. Le futur de la station de Lénine et de l'humanité. Lénine. Est en présence entre vos mains. Chantez avec moi. Debout les nazis de la terre. Debout les. Est-ce qu'on va nous payer au moins? Non. Oh merde. Juste là. Arrête de te plaindre. Les munitions sont de l'argent et on paiera en avance un
chargeur plein pour chaque homme. Mais comme tout soldat qui se respecte, tu es censé les utiliser pour tuer l'ennemi. Ouais, j'ai cru que je m'étais fait cramer. Le parti enseigne que seule la doctrine communiste est capable de montrer le bon chemin à travers les tunnels. Allez, on descend. Le nom de Lénine nous permettra de restaurer la gloire. On va pas descendre. Attendez les gars, j'ai pas envie d'écouter tout ce qu'il raconte. Si je fais demi-tour, il se passe quoi? Ok, c'est la merde. Ok, c'est la merde. Il y avait un garde. Je vais me faire prendre par derrière. Pas bien les gars. Ça y est, ils sortent, ils sont sortis, ils descendent. J'ai bien fait de pas être descendu. Ok, on va attendre un petit peu hein. Je vérifie juste derrière moi, voilà, on y va. Je descends. Oh. Allez, ça dégage. Hein? Tu dors. Oh, lui, je peux rien faire, c'est un mastodonte. Je suis pas là. Je suis pas là, les gars. Oh, ils sont en train d'abattre un lâche. Ouais, j'aurais pu le sauver, je pense. Mais j'ai pas envie là. J'ai un peu peur. Désolé. On est dans un monde où on pense qu'à sa gueule maintenant, hein. Y a pas le choix. Vous avez entendu ce qui s'est passé hier? J'ai failli me faire exploser la tête. J'aurai des cauchemars jusqu'à la fin de ma vie. Jamais je m'en sors, bien sûr. J'étais à l'infirmerie de terrain hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces bâtards m'ont pas chaud, nous ont envoyé les kamikazes avec des mots. Je sais pas où je vais, les gars. Mais j'y vais. Je suis à une sorte de chemin sans trop savoir où je vais, mais moi je veux juste me barrer. Alors là ça m'a l'air un peu dangereux. Hein. On va pas y aller. Là on va juste mourir électrocuté. À moins qu'on peut peut-être couper. Ah attendez les gars. Quel beau gosse. Je suis un monstre. Je suis un BG. Ok. Hop. J'ai pas mon masque? Ah, j'avais pas mon masque. Des jumelles. Oh. Oh, des armes aussi. Vision nocturne. Oh. Mais non. Alors attends, là il faudrait une clé. Par contre, on a un sniper aussi là? Attendez. Alors l'AK on va la garder. Est-ce que ça vaut le coup ça? Faut regarder si ça vaut le coup, attendez. Soyez intelligent. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Mais j'aime beaucoup cette arme. Bon, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Là il faut une clé. Je suis en train de crever là actuellement. Je sais plus c'est quoi la touche pour changer de filtre les gars.
Je sais plus. Attendez les gars, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir. Inventaire, masque à gaz, changer de filtre, c'était vite. Voilà, j'ai pas envie de mourir. Voilà. Ouh. Ah mais attendez, on peut pas tourner ça? Non. Donc là j'ai un filtre nocturne. Donc là je suis dans le noir en fait. Bon en vrai ça change rien là. Y'a quelqu'un qui descend ou... Bon je vais remonter hein. Je pense que j'ai récupéré ce qui était important. Oh, j'ai récupéré les clés, Go go go. J'ai récupéré les clés. Très pratique la vision nocturne. Et là, hop, des munitions. Rien que ça. C'est pas mal hein. Eh bah tu sais quoi? Ouais mais j'ai qu'une balle dedans, c'est pourri. Bon, pas le choix. Je vais garder ça. Ok, ça c'est cool les amis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors je vais garder le sniper, il a un silencieux. Donc je vais le garder sur moi au cas où. Et là si j'enlève mes lunettes, bah, franchement ça change rien. Oh, y a un garde qui arrive. Y'a un garde qui arrive. Je sais pas s'il voit le laser. Y'a un garde. Il est où? Bon il m'a entendu hein, il a dit un quoi alors il m'a entendu hein. Il est reparti. Franchement j'ai l'impression que le truc de nocturne ne sert à rien. Franchement. Bon. Alors. Oh il y a des gars là qui dorment. À tout moment ils se réveillent. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Ouais, tu m'as pas vu. Tu parles tout seul ? Allez, bonne nuit. Bon. Ce jeu. Oh. Par contre, il va vite voir le cadavre, lui. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Faut que je bute. Désolé mec. Oh merde. Ok. Là je suis pas bien. Qu'est-ce que je peux faire les gars? Est-ce que je dois descendre? Ouais, ils sont toujours là eux. Ah j'ai pas le choix, il faut que je passe en haut les gars. Il faut que je passe en haut.
Oh là. Tu m'as pas vu, hein. Toi, tu m'as pas vu. Allez, fais demi-tour. C'est drôle qu'ils me voient pas quand même. Ça me dérange pas, hein. Ils savent pas où je suis. Ils savent pas où je suis. Ils savent pas où je suis. Ils m'ont cramé, mais ils savent pas où je suis. Ça me fait peur. Et merde. Ils vont peut-être m'oublier, hein. Oh oh. Ouais, je suis pas là. Y a rien, y a personne. Attends, sniper, sniper. Yes. Eh bah je sais pas combien de temps je vais survivre. Putain. Normalement les armes c'est contre les mutants, hein. J'essaie d'économiser mes balles, hein. Putain, mais meurs! Faut mourir à un moment donné! J'ai plus de mun. Yes. Ah, ils sont en face, regarde. Regarde bien ce qui va se passer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Bon, je lui envoie une grenade, mais je sais plus où faire. On va se calmer. Est-ce que je peux prendre ça? Ah. Ah non. Merde. Je fais n'importe quoi. Désolé, général. Alors, les gars. Vas-y, monte ta tête. Ok. Ça monte les escaliers là. Je sais plus comment on éteint la lumière. Attendez, les gars, comment on éteint la lumière? Lumière, 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 F. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver, les gars. On va continuer comme ça. En fait, je suis sur la ligne de front.
Là en face c'est les ennemis là. Bah les ennemis ils sont tous mes ennemis mais. Genre si je dis pas de bêtises en face là c'est le Reich du coup. Attends y'a pas des mines là? Bien sûr que si. Ah, attendez. Là je suis plus face aux mêmes ennemis tu vois. Oh touché. Coulé je crois. J'ai dû faire un truc sympa là. Ok. Ah oui. Par contre à peine je me lève il me tire dessus en fait. Comment on va faire? Ah ouais. J'ai plus de lune. Adieu. Je suis pas là. Hein. Je suis pas là les gars. Je suis pas là. C'est faux. Allez soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Soigne-toi. Ouais, je suis mort. Putain. Qu'est-ce que tu veux faire? Soigne-toi, soigne-toi. Je suis couvert derrière rien. C'est ce qui est drôle. Ne vous inquiétez pas, j'ai la maîtrise. Soigne. Parfait. Ah mais là je me fais démonter là. Je me fais démonter. Oh mais putain, fais chier. Fais chier. Non c'est relou. Et là il va me faire commencer de nouveau. Mais non, il me refait commencer du début. Oh non c'est chiant. C'est chiant. Bon les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve après-demain pour la suite de notre aventure. J'arrête pour aujourd'hui. Des bisous. Ciao tout le monde.